tracte, et je pense qu'ils vont faire un début de mouvement. Quoi. Et sur son spell, on était là-bas jeudi. Je pense que vous êtes un peu mou à son spell, mais c'est à nous, comment dire, nous à Bray, on est un peu plus structuré. Et il faudrait qu'on soit appuyé par des gens de Cannes, d'Antibes, un peu de partout où il y a des bons groupes, pour qu'on puisse aller dans les petits villages, leur faire parvenir des tracts, parler avec eux, et leur faire voir qu'on n'est pas des sauvages. Quoi. Et il faudrait qu'on nous voie un petit peu partout, parce que quand on voyage un petit peu en dehors des Alpes-Maritimes, j'ai été dans l'Ariège, du côté de Toulouse, dans le centre de la France, des gilets jaunes, on en voit partout, dans tous les ronds-points, quand on arrive dans les villes, un peu de partout. Et dans les Alpes-Maritimes, malheureusement, c'est un peu spécial, ils se cachent. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se mette un peu, nous, en contact. Non, mais pas de trop. Il faudrait que nous, un petit groupe, les gens qui sont là, Antibes, Cannes, Nice, Grasse, qu'on se contacte et qu'on fasse les marchés, qu'on essaye de faire une démarche pour qu'à l'entrée des villes ou des villages, on voit des gilets jaunes tranquilles au bord de la route qui distribuent les tracts, qui distribuent entre eux pour leur faire voir que c'est un bon mouvement. Quoi. Et il n'y a pas de raison que dans les autres départements ça marche. Et chez nous ça ne marche pas. Il faudrait qu'on s'entende pour ça. Pour tout le reste, ils ont trop bien parlé. Je me réfère à eux. Mais je pense qu'on devrait faire l'effort de se tenir en contact entre nous, même avec les Italiens. Parce qu'il faut que nous on est frontaliers avec Braille. On devrait faire des actions avec Menton, Sospel, Nice, sur la frontière régulièrement, pas tous les jours, et je veux dire tous les 15 jours, et pas que sur la frontière à Ventimille, du côté de Cuneo. Et il faut qu'on se contacte et qu'on se bat tous ensemble pour qu'on arrive à faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne soirée. Bravo. Bravo, Dominique.